Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Zoom Appalaches. Cette semaine, nous recevons la directrice de l'aménagement et de l'environnement de la MRC des Appalaches, Mme Cynthia Boucher. Alors, Mme Boucher, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc, Cynthia Boucher, je suis directrice de l'aménagement et de l'environnement à la MRC des Appalaches. Ça fait 13 ans que je suis à l'emploi de la MRC. J'ai été aménagiste pendant 12 ans, 11-12 ans, avant de devenir directrice de l'aménagement et de l'environnement. Et ça fait maintenant près d'un an et demi que je suis directrice. Madame Boucher, il y a un plan d'aménagement, un plan d'action en environnement qui va commencer bientôt ou qui est déjà en marche. Mais j'aimerais au départ que vous expliquiez aux téléspectateurs, c'est quoi un schéma d'aménagement? C'est-tu de faire le ménage dans son garage? Non, un schéma d'aménagement, en fait, c'est le document le plus important d'une MRC, c'est-à-dire celui qui va venir dire un peu, mettre les balises sur qu'est-ce qu'on peut faire sur le territoire ou pas. Donc, un schéma d'aménagement vient vraiment dans la planification du territoire. Donc, on a une zone agricole, on a des villages, on a des villes, on a également des secteurs de villégiature. Donc, le schéma d'aménagement va venir, un, établir quelles sont les orientations et les objectifs d'aménagement, qu'est-ce qu'on veut dans ces différents secteurs-là de la MRC, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va venir indiquer quels sont les usages qu'on peut permettre ou pas. Donc, c'est vraiment, on établit les bases, si on veut, de l'aménagement et ensuite de l'urbanisme pour les municipalités. Mais est-ce que la MRC a le libre arbitre là-dedans ou il y a des directives gouvernementales qui obligent à certaines choses? Oui, effectivement, il y a des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire qui viennent établir certaines balises, donc au niveau de l'aménagement du territoire des MRC. Et nous, on doit être conforme à ces orientations-là. Donc, par exemple, une des orientations, c'est de faire de la gestion cohérente de l'urbanisation, donc éviter l'étalement urbain à tout prix, mais plutôt essayer de concentrer les usages, que ce soit les usages commerciaux, les usages de services, résidentiels à la limite, les établir à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation. Donc, ça, c'est une des orientations du gouvernement. On ne pourrait pas dire on ne fait pas de périmètre urbain puis on permet la construction résidentielle partout sans aucune balise. Il y a des municipalités qui n'ont pas de périmètre urbain. J'en connais deux. Il y en a trois municipalités sur notre territoire qui n'ont pas de périmètre urbain. Dans ces cas-là, c'est particulier. Donc, elles n'ont pas de secteur où est-ce qu'elles pourraient se développer à l'intérieur de ces limites-là, comme elles n'ont pas de périmètre urbain. Mais à ce moment-là, est-ce qu'ils peuvent aller bâtir un peu n'importe où ou ça prend l'autorisation de ces PTAQ tout le temps? Oui, en fait, la plupart, ces municipalités-là, entre autres, ont quand même une bonne superficie de leur territoire qui est en zone agricole. Là, la zone agricole, on a une autre balise en dehors des orientations gouvernementales. On a aussi la loi sur la protection du territoire agricole qui vient établir certaines balises également. Donc, suivant les balises de la loi sur la protection du territoire agricole et des orientations gouvernementales, on peut permettre l'implantation résidentielle en zone agricole, mais selon certaines conditions. Et si ces conditions-là ne sont pas respectées, dans certaines situations, on pourrait aller chercher une autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole. OK. Puis là, dans ce schéma d'aménagement-là, là, on arrive avec un nouveau plan d'action en environnement. Ça va s'intégrer au schéma d'aménagement, ça? Ça va pas nécessairement s'intégrer, mais ça va permettre d'alimenter le schéma d'aménagement pour certains éléments liés à l'aménagement du territoire. Par exemple, dans notre plan d'action, on a certaines actions qui viennent dire bien, on va intégrer certaines dispositions des plans régionaux des milieux humides et hydriques à l'intérieur du schéma. On va établir certaines dispositions, certaines normes concernant l'éclairage nocturne. Également, on a poussé un petit peu plus au niveau de l'aménagement du territoire pour des bonnes pratiques en matière d'aménagement durable de nos territoires. Donc, ça fait partie du plan d'action, mais éventuellement, on pourra intégrer ce genre de disposition-là dans le schéma d'aménagement. OK. Mais ce plan d'action-là va prendre effet dans un certain temps.
Il est pas présentement Il est en fait déjà en vigueur Il est en vigueur depuis, déjà, oui, oui. comme le Conseil des maires a adopté ce plan-là en novembre dernier. Nous, on l'a mis tout de suite en vigueur. Il est bon pour 3 ans. Donc, on a échelonné nos actions sur 3 ans pour aller chercher une base en environnement. Donc, OK, mais si on pense au milieu hydrique, oui. des zones inondables, ça, le plan n'est pas déterminé encore. Non, ça, c'est un autre plan. C'est le plan régional des milieux humides et hydriques. Mais il va dans le plan d'action oui. en environnement. Effectivement, il fait partie du plan d'action, comme c'est quelque chose qu'on est obligé de faire, les MRC, ce plan régional-là. On est venu l'intégrer dans le plan d'action en environnement en disant, on va participer activement à l'élaboration de ce plan-là, et ensuite, on va intégrer certaines dispositions de ce plan-là dans notre schéma d'aménagement. Donc, il y a vraiment un lien entre les 3 plans, effectivement. OK. Vous parlez de luminosité. Oui. La pollution nocturne. Dans notre milieu rural, c'est pas vraiment un problème. Le seul endroit, c'est comme la ville de Tetraide. Est-ce qu'il y a des contraintes pour la ville à ce niveau-là? Actuellement, la ville de Thetford a déjà des dispositions sur l'éclairage nocturne, sur la pollution lumineuse. Nous, ce qu'on a ciblé dans le plan d'action de l'environnement, c'est plutôt 3 municipalités qui ont quand même un noyau villageois ou une ville, finalement. Là. On parle de la ville de Disraeli, la municipalité d'East Broughton et la municipalité d'Adstock, notamment avec Saint-Méthode. Donc, on a ciblé particulièrement ces 3 noyaux villageois-là, 3 cœurs villageois, étant donné qu'ils sont plus gros, puis c'est quand même des villes assez en importance sur notre territoire. Donc, on a vraiment davantage ciblé celle-là, autrement que par les autres plus petites municipalités où, effectivement, il n'y a pas tant cette problématique-là. Okay. Ça voudrait dire, ça, que ces 3 municipalités-là auront à changer leur éclairage de rue s'il n'est pas adéquat? Et éventuellement, exactement. C'est ce qu'on souhaite aussi. Est-ce qu'il y a des subventions qui vont venir avec ça pour... C'est une bonne question. On regardera à ce moment-là. Mais en supposant qu'une municipalité dit, nous, c'est dommage, mais on n'a pas de budget pour ça avant 2 ou 3 ans, mm-hmm. peu importe, là. Est-ce qu'il va y avoir des contraintes? En premier lieu, ce qu'on souhaite faire, c'est beaucoup de la sensibilisation auprès de ces municipalités-là. C'est pas nécessairement tout de suite engager des nouvelles dispositions à l'intérieur de leur réglementation. De toute façon, ce qu'on veut faire avant d'aller l'imposer directement aux municipalités, c'est de l'inclure dans le schéma d'aménagement. Maintenant, ce qu'on veut surtout faire, de par le plan d'action à l'environnement, c'est plutôt d'aller sensibiliser ces municipalités-là à « il y a moyen d'arrêter d'éclairer vers le ciel ouais. et plutôt d'éclairer vers le sol ». Mais ça va s'appliquer à l'ensemble des 19 municipalités. Éventuellement, effectivement. Ils ne seront pas spécifiquement ciblés, là. Non, une fois que ça sera dans le schéma d'aménagement, effectivement. D'accord. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments? Là, on parle des milieux humides et hydriques. On parle de la luminosité. Est-ce qu'il y a d'autres... dans le plan d'action en environnement, le nouveau plan d'action en environnement, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui, on a beaucoup d'actions qui sont en lien avec l'enjeu sur la gestion de l'eau. Donc, on a quand même une bonne quinzaine d'actions par rapport à cet élément-là, dans le but d'améliorer la qualité de l'eau et la gestion des cours d'eau et des plans d'eau. Donc, dans un premier temps, une des actions sur laquelle on est présentement en train de travailler, c'est voir à l'adoption d'une politique de gestion des cours d'eau. Ça, c'est avec les bassins versants que vous faites ça? On fait ça à la MRC parce que c'est la gestion des cours d'eau, c'est une compétence de MRC. Et dans le fond, les gens qui veulent faire des travaux dans les cours d'eau se doivent de demander des autorisations au niveau du ministère de l'Environnement, notamment, mais doivent passer par la MRC comme c'est notre compétence. Nous, avec la politique, on vient établir qui va faire quoi, où, quand, comment. Oui, c'est... ça, c'est encore s'il y a un arbre qui tombe dans qui, une rivière c'est ça. Exactement. Qui empêche la libre circulation, va s'en occuper? Ça peut être l'inspecteur municipal. C'est ce que la politique va venir nous expliquer dans qui va s'occuper de quoi. Quand quelqu'un veut faire des travaux d'entretien d'un cours d'eau, mais à qui doit s'adresser? Quelles sont les étapes à suivre?
Donc, cette politique-là va venir vraiment venir être plus clarifier toutes ces procédures-là, finalement. Là. Mais le ministère de l'Environnement a encore le pouvoir d'intervenir. Oui. Même si la compétence est dévolue à la MRC. Exactement. Ça reste dans le domaine du possible, effectivement. Mais dans le plan d'action, ça pourrait pas changer, ça? Je pense pas que le plan d'action va pouvoir jouer sur qu'est-ce que le ministère de l'Environnement peut faire ou pas là, à ce niveau-là. Là. Parce que c'est en fait, c'est l'ensemble des MRC qui ont un nouveau plan d'action en environnement. C'est pas juste la MRC des Appalaches. Non, possiblement qu'il y a d'autres MRC qui ont des plans d'action, mais nous, c'est vraiment à l'initiative de la MRC qu'on a adopté ce plan d'action-là en environnement. OK. Oui. Mais c'était pour combler des lacunes au niveau des orientations gouvernementales. Aussi, pour permettre, comment je pourrais dire ça, pour ramener un peu la fibre environnementale sur le territoire de la MRC. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on voyait que c'était un peu des problématiques, notamment au niveau de la gestion de l'eau. Puis quand on parle de la gestion de l'eau, bien, c'est autant la gestion des cours d'eau, mais aussi toutes les bonnes pratiques en aménagement des bandes riveraines. Tout ce qu'on retrouve le long des cours d'eau, bien, il y a certains secteurs qui, on pense, n'ont pas de bandes riveraines réglementaires. Donc, c'est déjà réglementé par la réglementation municipale. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a certains secteurs où ces bandes-là riveraines de 10 ou 15 mètres ou 3 mètres en milieu agricole ne sont pas respectées, mais on va aller chercher cette information-là. Ça, ça fait partie des objectifs là, du plan d'action en environnement. Aussi, on veut sensibiliser les municipalités à tout ce qui est la gestion optimale des eaux pluviales, donc les eaux de pluie dans les villes où est-ce qu'il y a déjà un réseau d'aqueduc et d'égout. Souvent, les façons de travailler auparavant, c'était réseau pluvial, réseau d'égout pluvial et réseau d'égout sanitaire qui étaient un même et seul tuyau. Et là, premièrement, c'est de séparer, mais au-delà de ça, comment on peut réduire l'apport en eau dans l'égout pluvial quand il y a des fortes pluies? Donc, il y a des façons d'aménager nos rues, par exemple, et pour diminuer cet effet-là. Et nous, ce qu'on demande aux municipalités, puis ce qu'on va travailler aussi avec les municipalités, il existe un auto-diagnostic. Donc, qu'est-ce que je fais de bien ou de moins bien que je pourrais améliorer par rapport à la gestion des eaux pluviales? Ça s'applique autant à une municipalité de 500 habitants qu'à une ville comme la ville de Thetford, par exemple. Ouais. Comme dans la ville de Thetford, on a vu depuis quelques années des étangs de rétention qui sont construites un peu partout. Là. Je ne sais pas combien il y en a exactement. Ça fait partie, en fait, du plan d'action. Oui, bien, ça va aider exactement là, à toute la gestion des eaux pluviales, notamment. Là. Oui. Maintenant, en ce qui concerne l'énergie comme telle, on parle d'éoliennes, il y a probablement des nouveaux projets qui vont être implantés dans les années à venir dans notre région. Est-ce que dans le plan d'action en environnement, on a pensé à ça ou... Non, on n'a pas fait mention de cet élément-là, tout ce qui est nouvelles énergies éoliennes et énergie solaire, par exemple. Et on n'en fait pas mention, c'est pas un des enjeux qui a été soulevé là, dans les différentes consultations qu'on a faites, notamment. Là. OK, puis pour les auto-électriques, les bornes, on n'en a pas beaucoup. Quand il y a une municipalité qui en installe une, ça fait les manchettes. Mm-hmm. Je pense que... À court terme, en tout cas au pire, à moyen terme, ça va en prendre énormément. Est-ce que ça aussi, c'est prévu ou... Non plus. Non plus. Non plus. Par contre, il y a un projet qui est fait avec le Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches. Ça s'appelle... Faut pas que je me trompe, là, mais il y a notamment Embarque Chaudière-Appalaches, mais il y avait aussi un autre projet avec le Conseil régional de l'environnement pour justement borner les municipalités. Donc, amener des bornes dans les municipalités. On a travaillé un projet, notamment là, sur le territoire de la MRC des Appalaches, où on a ciblé des municipalités où est-ce qu'il pourrait y avoir des bornes. Et il y a 4 bornes qui se sont installées dans la dernière année sur le territoire de la MRC des Appalaches, au moins 4. Mais je peux pas vous dire... D'Israélie, il y en a une. D'Israélie, il y en avait déjà. On en a fait installer à Adstock où il n'y en avait pas. Je vois de mémoire. Il y en a une à Saint-Fortunat.
Oui, c'est ça, Saint-Fortunat. On essayait d'aller cibler des municipalités où, ça prenait un arrêt d'eau, si je peux m'exprimer ici, soit un restaurant, soit un arrêt. Mais au moins pour que la personne ait un 2 heures à s'occuper durant que Exactement. son auto Oui. fait le plein d'énergie. Puis qu'il y ait des activités à faire autour aussi, Aussi, là. oui. Donc, on a ciblé Mais ces ça a été municipalités-là dans de le cette plan d'action façon-là. en environnement? Non, c'est Non, vraiment c'était à un autre part. élément à part, c'est ça. OK, on a depuis quelque temps des moyens de pression qui sont faits vis-à-vis de lac à la truite à Irlande, parce qu'il y a des sédiments miniers qui coulent dans la rivière Bécancour, puis qui finalement arrive dans le lac à la truite, le lac William, le lac Joseph. Est-ce qu'on a des éléments dans le nouveau plan d'action en environnement vis-à-vis ces matières, disons, polluantes-là? Directement, on n'a pas, on n'a rien par rapport aux résidus miniers qui pourraient s'écouler dans la rivière Bécancour, par exemple. Par contre, je sais que le Gros-Bec a un projet actuellement là, de trouver comment faire par exemple, des bassins de sédimentation pour s'assurer que les sédiments vont tomber dans un bassin avant d'arriver notamment dans la rivière Bécancour, puis dans le lac à la Truite, à Irlande. Par contre, au niveau du plan d'action, deux actions qu'on a mises en place, c'est on avait déjà un programme pour l'amélioration de la qualité de l'eau à la MRC des Appalaches depuis 2016. Le fonds là, a débuté autour de la mi-mars. C'est un fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Et là, c'est vraiment en lien beaucoup avec tout ce qui est cours d'eau, tout ce qui est lac. Et notamment, dans les dernières années, on a donné des sous via ce programme-là à la PLTI, donc à l'Association des propriétaires du lac à la Truite à Irlande, pour qu'ils puissent notamment faire il y avait de la caractérisation des bandes riveraines, donc tous les cours d'eau qui arrivent au lac à la Truite, quels sont l'état des bandes riveraines de ces cours d'eau-là. L'année passée, on a également donné des sous via ce programme-là à la municipalité d'Irlande pour faire un plan directeur de l'eau du même bassin. Donc, on donne déjà des sous de par ça. Fait que directement, on est impliqué dans le projet de Gros-Bec. Mais directement dans notre plan d'action, on n'a pas d'action spécifique sur les résidus miniers. OK. Comme ces bassins versants-là, est-ce qu'ils font des demandes particulières à la MRC? Oui, via notre fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau, les organismes de bassin versant peuvent faire des demandes. Donc, il y a des objectifs spécifiques qui sont reliés à ce fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau, notamment de réduire les apports en sédiments dans les cours d'eau et dans les lacs. Donc, ils pourraient venir chercher un certain montant d'argent à la MRC en déposant un projet à ce fonds-là. On peut penser que à court terme, au point de vue de l'eau, il va y avoir beaucoup d'améliorations. C'est ce qu'on souhaite avec le plan d'action, effectivement, d'aller chercher une amélioration, autant au niveau des eaux de ruissellement, autant au niveau de l'amélioration des cours d'eau, mais aussi nos bandes riveraines le long des cours d'eau, mais aussi au niveau du traitement des eaux usées. Donc, les municipalités ont certaines obligations, ce qu'on a compris de par les questionnaires qu'on avait envoyés aux municipalités en prévision de l'écriture du plan d'action, c'est qu'il y a certaines municipalités qui ne connaissent pas nécessairement l'état des fosses septiques de leur résidence. Donc, ça, on veut outiller, aider les municipalités à aller faire ces caractérisations-là, qui restent une obligation là, de la loi sur la qualité de l'environnement. Ouais, ça date de l'an 2000, le Q2R8, ça, qui est... Maintenant, Q2R22, c'est même avant 2000, là. Je ne Ouais, peux pas dire quelle année mais exactement. c'est vrai, vous avez raison. Les municipalités avaient jusqu'en l'an 2000 pour que chaque résidence isolée soit munie d'une fosse septique et d'un champ d'épuration. Puis, dans l'ensemble, les municipalités ont fait respecter ça. Mais d'après vous, il y aurait besoin d'un rafraîchissement, disons. Exactement, exactement. D'aller faire un rafraîchissement, de connaître mieux encore, parce que ce qu'on ressent, ce qu'on a recensé, c'est que les municipalités ils n'ont pas nécessairement un inventaire de qui a quoi sur son terrain, là, comme type d'élément épurateur.
Mais ça représente des coûts quand même assez énormes pour les municipalités. Il y a plusieurs municipalités qui n'ont pas les moyens de, ben, à moins de taxer évidemment leurs résidents. Est-ce qu'il y a des aides gouvernementales qui vont venir avec ça, cette demande-là? Bien, en fait, pour faire la caractérisation puis faire l'inventaire, c'est pas quelque chose qui peut coûter énormément. Par contre, c'est sûr que si on s'aperçoit qu'un citoyen n'a pas nécessairement une fosse septique et son champ d'épuration conforme ou il a rendu un certain âge, bien, c'est sûr qu'après ça, ce qui vient avec, c'est un peu obliger le citoyen à aller se rendre conforme, selon le QDR-22, justement. Je sais qu'il existe des programmes que la municipalité peut mettre en place. De mémoire, je pense qu'on peut s'affilier avec le ministère de l'Environnement, mais c'est sous toute réserve. Mais il y a des possibilités, effectivement, là, parce que c'est quand même des coûts assez importants, là, de se rendre conforme, là. Dans le plan d'action en environnement, on a fait pas mal de tours. Est-ce qu'il reste des éléments qu'on aurait oubliés? Le dernier élément là, que je pourrais rajouter peut-être par rapport au plan d'action, c'est un cinquième enjeu par rapport à la gestion des matières résiduelles. Simplement, ce qu'on vient dire là-dedans, c'est de continuer la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles là, qui a été adopté et entré en vigueur en 2016. Normalement, à l'époque, qui était bon pour 5 ans. Maintenant, la loi a changé, puis on a un plan d'action qui est pour 7 ans. Donc, il nous reste encore 2 ans là, avec le plan de gestion des matières résiduelles. Donc, c'est de continuer sa mise en œuvre, de s'assurer qu'au bout de la ligne, il reste le moins possible de résidus. Donc, on va envoyer le résidu ultime au lieu d'enfouissement technique, donc au dépotoir. Sinon, la loi nous dit aussi qu'on doit commencer à faire la révision et adopter un projet de révision de PGMR, donc plan de gestion des matières résiduelles, au plus tard à la 5e date d'anniversaire du plan de gestion. Donc, nous, c'est au plus tard en octobre OK. 2021. Donc, on est en révision du plan de gestion des matières résiduelles. Mais là, la loi s'applique pour les matières putrescibles depuis Oui. quelques mois. Quelques années, en fait, à la base, les municipalités avaient jusqu'en 2020 pour faire je veux dire, la récupération ou s'assurer que les matières organiques ne se retrouvent plus dans les poubelles. Elles avaient jusqu'en 2020. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que dans les petites municipalités, c'est très difficile de mettre en place une troisième voie. Oui, ben, les municipalités de 5 000 personnes et moins. Exactement. Donc, ils se sont aperçus que c'était très difficile. Donc, l'année butoir de 2020 n'a pas été respectée. Donc, le gouvernement, lui, dans sa politique de gestion des matières résiduelles, a repoussé cette date-là au 31 décembre 2024. Donc, OK. on a jusqu'en 2024. Malheureusement, le temps file, puis Bon. on a déjà terminé. Alors, un immense merci pour ces renseignements-là. Les gens peuvent toujours vous contacter à la MRC. Oui. Le numéro va apparaître à l'écran. Alors, mesdames, messieurs, merci de votre écoute. J'espère que les renseignements sur le plan d'action en environnement vous ont éclairé un peu. On aurait pu en parler encore longtemps, mais le temps est finalement écoulé. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.